Nous voici à Saint-Jean-Pied-de-Port, sur le chemin de Compostelle. Il y a de nombreux pèlerins qui passent régulièrement. Très jolie ville, ancienne citadelle. Et Saint-Jean-Pied-de-Port, autrefois, un port signifie aussi un col, un passage dans la montagne. Nous ne sommes pas très loin de Roncevaux, nous irons tout à l'heure. Sur les pas de Rolin. À une partie des murailles qui protégeaient la ville. Où nous allons pénétrer. Une vieille rue. Au bout de cette rue, la fameuse prison des évêques. Cette coquille Saint-Jacques signifie que c'est un gîte pour les pèlerins. Ici, ils peuvent se reposer avant de reprendre leur route.
Voici sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-au-Port, avec le chemin qui mène à la citadelle que j'avais emprunté. Et au fond, la basse ville. Avec le terrain de rugby qui a vu les premiers pas d'un certain Imanol Henri Nordoki, champion de France avec le Biarritz Olympique et international en équipe de France. Célèbre troisième ligne. Et alors ici, j'en ai fait une partie, mais ça y va encore. C'est le chemin de ronde. Alors il y a un sacré escalier à grimper. Ça, je ne vais pas le faire. Hein. Bon, ça fait un peu chaud. Et voici l'entrée de la citadelle, qui est fermée. Ça ne date pas d'aujourd'hui et c'est toujours debout. Des paysages magnifiques. Il y a beaucoup de monde, c'est comme ça tous les jours, même en hiver. C'est vraiment de la folie pour circuler à Saint-Jean-Pied-de-Port en voiture. Tout à l'heure, on est passé devant la prison des évêques. Il faut dire que c'est devenu une prison dans les années 1700. Et que pendant la période où le pape n'était plus à Rome mais à Avignon, c'était devenu une cité épiscopale. Et donc, avant d'être une prison, c'était le... Je sais pas comment on appelle ça, un évêché, une espèce de monastère, on va dire. Je sais pas quoi le nom que ça. Il faut dire que moi et les histoires de curé, on n'est pas trop copains. C'était haut, hein. Celui qui voulait attaquer la citadelle, il avait intérêt à porter les grandes échelles. Ça a été construit afin de repousser les attaques des Espagnols, qui avaient la bonne idée de venir faire quelques razzias côté français. Mais aussi à une certaine période, contre les fameux Sarrasins. Mais finalement, j'ai franchi l'escalier, mais en descendant. Et même en descendant, c'était assez impressionnant quand même.
Je vais vous montrer quelque chose que je viens de voir, c'est l'épaisseur des murs, les murs d'enceinte. Voilà, je ne sais pas si on le verra correctement. Et pour aller démolir ça, vous l'aurez. Avec des meurtrières. Le Vauban, il savait travailler. Et c'est lui qui l'a réaménagé, c'est pas lui qui est à l'origine de la construction. Sous Louis XIV. Voici une meurtrière. Et ça. Voilà, c'est pas large. Il y a une orientation. Là, si vous allez voir, c'est plutôt vers la gauche. Voilà, ici, il y en a d'autres. Avec une bonne vue. Une porte donnant accès au chemin de ronde avec ce qui est fermé à clé. Je pense que ça devait être un abri pour les gardiens, les soldats qui devaient tenir milieu. Et nous voici sur le chemin de ronde qui a été quelque peu aménagé. Avec toujours le fameux matériel. De temps à autre, il y avait des tourelles comme ça. Où le gardien entrait. Là, ici, il fait bon, c'est bien à l'ombre. Il y avait donc une vue imprenable. C'est un mur. Et voilà, j'ai fait mon petit tour dans la citadelle. Là, j'ai quitté le chemin de ronde, je suis sur une des routes qui mène à la ville nouvelle. Je vais aller casser la croûte parce que c'est l'heure. Il est midi passé. Et tout à l'heure, nous irons sur les pas de Roland à Ronceau. Là, je ne peux pas résister à vous montrer ça. C'est trop beau. On va y avoir un rendez-vous de Honda. Mais ça, c'est pas la 125. Hein. Magnifique. Et alors là, c'est la Rolls. Là, c'est la grosse machine. De toute beauté. Magnifique. Actuellement, je suis en route pour le pas de Roland. Et quand j'ai vu ça sur la route, je n'ai pas résisté, je me suis arrêté. Voilà, c'est tout simplement splendide. Et en contrebas, on entend la rivière, la Nive.
Alors, j'ai de la chance, la circulation s'est arrêtée. Il n'y a plus de voiture. Allez, je repars sur les traces de Rolin. Bon, nous voici au pas de Rolin. Je suis devant le fameux rocher. Notre ami Rolin aurait cassé son épée, enfin tenté de casser son épée du Randal pour ne pas la donner aux ennemis. J'en te parlerai tout à l'heure. Alors l'épée ne s'est pas cassée, puisqu'elle était d'un métal très résistant. C'est le rocher qui a été fendu. Mais les gens ne font bien les choses. Je pense que c'est un endroit formidable, un peu délicat d'accès. Vous voyez, la route n'est pas très large. Par endroit, il y a des petits trous comme ça pour permettre les croisements. On faisait la bonne humeur, ça passait bien. Il y a un petit oiseau là-haut. Je ne sais pas si on va le voir. Et voilà la fameuse entaille. On l'aura beaucoup mieux sous cette anne. Et en bas, c'est la rivière La Nive qui se jette dans la Dour. Je ne sais pas si on les verra, mais on dirait que ce sont des vautours là-haut. Il va y avoir quelques charognes qui traînent. Ils sont là pour nettoyer. Oui, comme je disais tout à l'heure, à propos de Rolin et de sa fameuse épée, d'après les vieux livres d'histoire, dont celle que j'avais apprise à l'école quand j'étais en CM2, il aurait été attaqué par les Sarrasins. C'est que longtemps après, quand je vois bien l'histoire, j'ai appris que ce n'était pas les Sarrasins mais les Basques. Il a été coupé dans mon commentaire par des gens qui passaient. Et c'est pas toujours évident. Donc Charlemagne, de retour. Une campagne contre les Sarrasins, les vrais ceux-là, en Espagne, n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, certainement la victoire, il s'est vengé en rasant les murs de Pampelune, qui était la capitale du Pays Basque. Et les Basques, pour se venger, ont attendu son arrière-garde, commandé non pas par son neveu Rolin, mais par le comte de Bretagne, qui était Rolin. Il n'était absolument pas de la famille de l'empereur à la barbe fleurie. Barbe qu'il n'a jamais portée d'ailleurs. Voilà. C'était un petit point sur l'histoire. Maintenant, nous allons partir par cette route qui va m'amener à Bidaraï. Et de là, la fin de ma promenade. Une promenade que je vous conseille fortement si vous avez une journée à passer par beau temps, c'est plus agréable. Saint-Jean-Pied-de-Port, retour par Roncevaux. Si
Si vous pouvez prendre par en sauveau, allez à Issassou d'abord. C'est très mal indiqué, c'est dommage. Et attention parce que la route est très étroite.